celle qui fut marquise des Anges pour les truands de la cour des miracles. Marquise de Plessis-Bélière, maréchal de France pour les seigneurs de la cour de Versailles. Et pour tous et toujours, merveilleuse Angélique. Puisque Perrac est vivant, il lui faut le rejoindre à n'importe quel prix. Elle est à vous. Faites dans ce que bon vous semble. Je vous laisse la lumière. Dans le noir, votre bonheur serait incomplet. Geoffrey! Il faut me croire! Je ne peux pas. Louis le 14e roi de France. Et je ne vous donnerai pas ce que je lui refusais à lui. Et que vous avez offert à d'autres. Pour retrouver celui qu'elle n'a cessé d'aimer, Angélique s'est embarquée sur la fameuse galère réale. Vaisseau de guerre en vue par le travers à tribord. Les chaînes brisées. Le rescator. Quator et le rescator. Paré, à virer à bâbord. Geoffrey de Perrac, comte de Toulouse. Miraculeusement échappé au bûcher, proscrit, mais toujours puissant, un homme hors du commun. Le réal disparut corps et bien. Le soleil du roi va pâlir. Le plus grand marché d'esclaves de la Méditerranée. Angélique. La merveilleuse Angélique y sera exposée nue. Et maintenant, les plus rares, les plus beaux. Vendu pour une somme fabuleuse. J'ai ici 105 000 sequins. Qui l'a acheté? Je vais vous faire payer pour tout ce que votre beauté a dû faire languir. Pour ceux qui espéraient en vain, regarde-vous. Pour tous ceux qui priaient Dieu que vous daigniez laisser tomber votre mouchoir. Pour avoir l'insigne privilège de le ramasser dans la poussière de vos pas. Geoffrey.